Jérôme, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Serge, ça va bien? Ben, ça va, ça va. Là, ben, on est dans la salle d'éclair, très très belle exposition que tu es en train de réaliser. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, ben, donc Jérôme Boyadja, j'ai 44 ans, je peins depuis un petit bout de temps, depuis tout petit en fait. Je crois que tu as commencé à 8-9 ans. Hein. Oui, c'est ça. MJC, je commence à faire un petit peu ça, puis ensuite un petit peu les Beaux-Arts, Beaux-Arts à Valence, 2 ans, et puis ensuite j'ai voulu un petit peu m'exprimer. Oui, alors donc tu es peintre, mais bon, tu bosses aussi à côté. Tu peux te présenter un peu familialement? Ouais, bah je suis coiffeur de métier. À Bourg-les-Valence. Vas-y, dis le nom de ton. Modeling Coiffure. Modeling Coiffure, ouais. À Bourg-les-Valence. À Bourg-les-Valence, oui. Voilà. Bah, on est de père en fils depuis 35. Ouais, donc ça fait un moment. Ça fait un moment, c'est vrai. Marié? Marié. Les enfants? Trois ans, trois filles. Étudiante? Étudiante, oui, deux au collège, une encore en primaire. Oui, petite étudiante. Maternelle, je veux dire. Voilà. Et puis. Puis Valentinois de cœur et depuis. Oui, oui. Depuis toujours. Toujours resté dans le coin. Et lorsque tu avais 14 ans, ton grand-père qui a connu le génocide arménien, t'as raconté un peu toutes les atrocités, tout le massacre, hein, j'ose le dire, qu'il y a eu en Arménie par le gouvernement turc, et tu as voulu t'exprimer au travers de la peinture. Oui, ces récits m'ont touché profondément, et j'étais un petit peu, je me sentais un petit peu mal. Mal, et puis ne pouvoir rien faire ce qui s'était passé. Et j'ai voulu témoigner, avec le recul, je le ressens comme ça, témoigner de ce qui s'est passé à travers un art que j'aime, c'est la peinture. Oui. Et donc j'ai commencé à peindre sur des massacres. Donc c'était des toiles un petit peu rouge et noir, on va dire. Oui. Et un peu sombre. Ce fut mes premières toiles à l'époque. Bon, en peinture, tu as travaillé plusieurs thèmes. Oui, je travaillais le thème floral. Oui. Là, je me suis amusé à peindre toutes sortes de fleurs avec des couleurs qui m'inspiraient en fait. Hein. Alors ce qui est beau dans l'art justement, c'est qu'on arrive à choisir les couleurs que l'on veut, même à créer des fleurs si on le souhaite. Et j'ai travaillé aussi le thème marin. Ah, ça c'est intéressant. Pour bien. Thème marin, la mer, les bateaux. Les bateaux, les vagues, les tubes. Parce que je pense que pour devenir, pour faire une peinture, une toile complète, il faut savoir travailler un petit peu tous les thèmes. Donc là, ici, toi, tu as exposé combien? 32 peintures? Oui, 32 toiles. Alors ces 32 toiles aussi, on peut les acheter. Hein, oui, bien sûr, oui. Sur ton Facebook et bientôt sur un site. Ouais. Voilà, donc on en parlera plus tard. Donc là, ce qui serait bien, c'est que tu nous présentes deux toiles ou deux, trois toiles un peu qui sont marquantes pour toi. Alors, cette peinture que tu as choisie. Oui, alors celle-ci, bon, c'est Cielo Show, c'est une chanteuse contemporaine. Qui est très jolie. Hein. Qui est très jolie, d'ailleurs, ouais. Elle est aussi jolie, en vérité Peut-être même plus. Bravo. Et donc, elle est en habit traditionnel arménien. Oui. J'ai trouvé cette photo très jolie et j'ai voulu d'exprimer. La reproduire, l'exprimer bon, avec un petit peu à ta façon, ton style. Artistique, voilà, des choses. C'est des habits traditionnels arméniens. Des bijoux, là, on est sur une autre peinture, bon, un peu plus tourmentée, mais qui n'ont pas rapport. Tourmention, hein, je pense que c'est le terme. Oui, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette peinture? Alors, cette peinture, c'est le mémorial du génocide arménien à Yerevan. Oui. Yerevan étant la capitale de l'Arménie. De l'Arménie, tout à fait. Et donc, il y a. Là, on n'en voit que 5, mais c'est un cercle. Ce sont 12 pierres qui représentent les 12 provinces de l'Arménie oui. Historiques qu'on a perdues.
Et donc on suit la lance de l'espérance, de l'espoir, partageant en deux, qui divise, qui parle de l'Arménie orientale et de l'Arménie occidentale. Puisque aujourd'hui on a en diaspora plus d'Arméniens en diaspora qu'en Arménie même. Donc tous ceux de la diaspora sont issus de. Sont des petits-enfants, des arrière-petits-enfants des rescapés du génocide. Voilà, et donc le rouge, ça exprime un peu la tourmente du génocide qui a eu en 1915. Voilà, ça a été pour le peuple arménien quelque chose de terrible. Et voilà, le ciel, le monde, tout est. Je sais pas comment dire. Tout est dans la noirceur. Ouais, c'est le cri de douleur de la nature, du monde, quoi, auquel j'ai voulu représenter. Et puis bien sûr le rouge qui symbolise quand même le sang, ce génocide quand même qui a été planifié par la nature. Et là, ce personnage, c'est qui ? Son nom de Télérien. Alors, c'est celui qui a assassiné Talat Pacha. Alors, Talat Pacha, c'était le responsable, hein. un des responsables, un des trois. Responsable, oui. Ouais. Il était ministre de l'Intérieur et qui a planifié dans le groupe de l'Itiat. Hein, c'était un groupe nationaliste qui avait pour objectif de créer un empire islamique. Jusqu'au muraille de Chine. Dans les années 14, hein. Oui, dans les années 14. Il y a eu des massacres déjà avant, mais oui, bien sûr. À partir de 14, ça a commencé. Et leur rêve, c'était le pan-turquisme, le pan-touranisme, le pan-islamique. Hein, tout sujet vivant sur les terres, ils voulaient l'exterminer et islamiser ces sujets-là. Il a été victime du génocide, bien sûr, ses parents, sa famille a été tout massacrée par les Turcs. Et il a été laissé pour mort. Il était sous le cadavre, je crois, de sa mère, enfin, de ses membres de sa famille. Il a été laissé pour mort. Et de là, bien sûr, sa vie a changé. Il n'avait plus d'intérêt que de se venger, que de l'honneur. Et la mémoire de sa famille et du peuple tout entier, du peuple arménien. Et donc il a rejoint des rangs des révolutionnaires. Qui était sous le groupe Némésis. Voilà, alors il y a eu l'opération Némésis. Qui veut dire vengeance, hein, c'est le dieu de la vengeance. Ouais, qui a fait que il a été l'acteur pour mettre fin à quelqu'un comme Talat Pacha. Qui avait été d'ailleurs condamné à mort par coutumasse par le gouvernement turc de Mustafa Kemal. Il s'était enfui en Allemagne. Et donc, dans l'opération de Médici, il le retrouve et il l'assassine à Berlin en 21. Se laisse capturer, puisque son objectif aussi, c'était pas de le tuer, mais de s'enfuir. Et ce qui est extraordinaire tout de même, c'est que. Il y a eu le jugement, et ça a été jugé en Allemagne. Et ils l'ont, après avoir donné le récit de ce qui s'était passé, pourquoi il avait fait, le tribunal l'a quand même acquitté. Donc, ce qui est quand même une chose. Comme quoi les Allemands, ils ont fait des bonnes choses aussi. Bien sûr. J'ai voulu vous montrer cette peinture parce que j'ai flashé dessus. On dirait que les pierres, on dirait une photo. Alors, c'est une église ? Oui, c'est une église. Et la particularité, je dirais, c'est que la toiture est du 7e siècle. Ouais. Elle est restée en partie d'origine. Une très très belle peinture. J'invite tout le monde à venir voir ton exposition, à te rejoindre sur Facebook, et puis de suivre dans tes thèmes. Le prochain, c'est quoi ? Le prochain thème ? Oui. J'ai pas fait mes filles en. Tableau encore. Là, je vais les faire. Tu vas attaquer les filles. Je vais les faire les filles, oui.
Jérôme, merci. Merci à toi, Serge. Très belle expo. Ouais, merci. L'endroit est super sympa, les peintures sont très belles. Donc, regardez Jérôme Boyadjian sur notre site www.narcissead.com et sur son Facebook. Il est super bon.